Voilà, pendant toute la semaine, les conservateurs de musées sont réunis en congrès ou en colloque ou en symposium, comme vous voulez, à Strasbourg. Ils sont environ 900. Et eux aussi, comme d'autres catégories socioprofessionnelles, ont des problèmes de revalorisation de statut. Mais nous n'allons pas parler de ça ce soir. Nous allons plutôt profiter de leur présence pour remettre au goût du jour un dossier dont on a déjà beaucoup parlé, un musée d'art moderne à Strasbourg. Alors Strasbourg, d'ici 3 ou 4 ans, aura son musée d'art moderne. C'est en tout cas ce qu'affirme le maire de la ville, Marcel Rudloff. En attendant, l'actuel musée a fermé ses portes hier. Daniel Léonard et Bernard Stempfer étaient présents. Image symbolique de la fin d'une époque qui aura duré 21 ans. Depuis hier, l'ancienne douane n'abrite plus officiellement le musée d'art moderne de Strasbourg. Ici ne se tiendront plus désormais que des expositions temporaires. Un choix délibéré de Roland Recht, le conservateur en chef des musées, qui rend nécessaire la construction d'un grand musée d'art moderne et contemporain pour y présenter les 1500 œuvres de la collection permanente. Un musée dont Roland Recht rêve depuis son arrivée, un espace de 10 000 mètres carrés qui serait à la mesure de l'ambition culturelle de Strasbourg, capitale européenne. Un musée d'art moderne idéal, ce serait d'abord un bâtiment très fort, du point de vue architectural, mais qui de l'intérieur permet une grande souplesse. Ensuite, ce serait un bâtiment dans lequel il y aurait forcément une cinémathèque, bibliothèque, librairie aussi, cafétéria, atelier pédagogique pour les enfants et pour les adultes. Je crois tout ce qui fait d'un musée un lieu de rencontre. Le site idéal existe, lui, il est même déjà presque retenu. Ce sera à proximité du futur hôtel du département et de la Petite France, l'aire des anciens abattoirs aujourd'hui transformés en parking ou l'ancienne prison Sainte-Marguerite. La première phase du dossier, l'étude de programme, est réalisée. Reste à obtenir le feu vert de la ville qui estime donc tarde à s'engager. Pourtant, Marcel Rudloff est affirmatif. C'est absolument sûr que c'est dans les années à venir une des priorités et je crois pouvoir affirmer avec beaucoup de certitude que ce musée d'art moderne se fera et se fera dans les meilleurs délais. C'est-à-dire, vous pouvez donner un horizon ? Je ne peux pas m'engager tellement loin dans les horizons, mais ça ne devrait pas dépasser 3 ans, 4 ans maximum. Pour l'inauguration. En attendant, c'est dans la galerie alsacienne rénovée, place du Château, que sera exposée une partie des collections d'art moderne de Max Ernst à Hans Arp. Ouverture prévue le 3 décembre prochain.